now, ladies and gentlemen. Et salut tout le monde, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé bien une excellente journée en votre compagnie de RVL. Et nous, eh bien, nous, 19h et jusqu'à 20h, on va être ensemble. Du coup, cette fois-ci, exceptionnellement, on sera ensemble pour une petite heure. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à gérer ce mois-ci. Puis à mon avis, je pense que le mois prochain, on part peut-être même sur une deuxième lancée, ça va être sympathique. Donc, eh bien, aujourd'hui, ou ce soir même plutôt, je dirais, on va analyser ensemble trois films. Du coup, trois films qui sont sortis au cinéma. Alors, qu'allons-nous retrouver? Eh bien, on va retrouver déjà, en première partie, Le Comte de Monte Cristo, suivi juste après par le film d'animation Moi Moche et Méchant 4. Et puis, on terminera ensemble, eh bien, avec le film Deadpool et Wolverine. Allez donc, bien, il est peut-être temps pour nous de commencer. Alors, Le Comte de Monte Cristo en première partie. Alors donc, Le Comte de Monte Cristo qui fait suite, dans les envies d'édition actuelles, parce que du coup on a eu 3 mousquetaires et du coup là on va retrouver exactement les mêmes personnes à la réalisation et au scénario qui du coup sont partis pour adapter pas mal d'œuvres d'Alex Santo Dumas. J'en ai parlé dans mes souvenirs sur les 3 mousquetaires. Et donc du coup, eh bien, réalisation et scénario, on va retrouver Alexandre de la Paletière et Mathieu de la Porte. À la musique, eh bien, ce sera Jérôme Rebotti. Et puis, aux acteurs principaux, bien évidemment, Pierre Ninet, que vous avez tous vu, mais aussi Bastien Bouillon, Anaïs Desmoustiers, puis Anna-Maria Vartolomei. Excusez-moi pour les prononciations, des fois c'est un petit peu compliqué. Et puis, pour terminer, Laurent Lafitte. Voilà donc, eh bien, pour ce casting avec les acteurs principaux, donc pour ce film de Le Comte de Monte Cristo, que je vous propose tout de suite, eh bien, la bande-annonce. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent ! J'ai rien fait, je suis innocent ! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Je suis l'abbé Faria. Moi, je te porte le plus grand trésor que la Terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de cette fortune? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine? À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo.
temps qu'il faut pour être prêt. Prêt à faire quoi? À se venger. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme? Je me méfie de tout le monde en général et les étrangers en particulier. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient? Où il va? Vous n'avez donc aucune pitié? Et eux, l'ont-ils vu pour Edmond Dantès? Moi aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. C'était donc bien notre bande-annonce pour le comte de Monte Cristo. Alors donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur ce film? Si vous en avez un petit peu entendu parler autour de vous, il y a eu pas mal de bonnes critiques. Et c'est du coup un peu ce qui m'a forcé à les voir. Non, je rigole. Mais c'est de l'humour un peu cynique. Non, mais du coup, en fait, j'y suis allé quand même par curiosité, même si on a dit extrêmement comme bien. Après, j'aime pas trop avoir les avis des autres gens avant d'y aller parce que je sais que ça peut toujours influencer. Et donc du coup, je vais pas vous donner mon avis comme ça vous allez pouvoir aller le voir. Non, je rigole. Alors, on va peut-être commencer par les points que j'avais notés. En termes de masque, parce que du coup, le comte de Monte Cristo se base aussi beaucoup là-dessus, surtout ce côté un peu anonyme et qui est ce personnage. Alors ça, j'y reviendrai après quand je ferai la phase du scénario, parce que du coup, c'est pas forcément bien réalisé, mais bon. Du coup, ouais, les masques, par eux, sont quand même parfaits, parce qu'en fait, on reconnaît à la fois Pierre Niney, ce qui aurait été dommage de le cacher sous des masques, mais aussi un peu ses différences. En fait, ce que je vais voir, c'est que le maquillage est nickel, avec un parfait mélange entre l'acteur principal et aussi ses personnages. Alors, certes, si on fait pas un petit peu de suspension de crédulité du spectateur, non, je crois que c'est ça. Oui, on dira que oui, nous on le reconnaît facilement, mais en fait, ce qui se passe, c'est que si du coup, il était tout le temps caché sous des masques, je pense que c'est ce qu'ils ont dû se dire à la réalisation, ce serait un petit peu dommage de cacher ce Pierre Niney sous tout le temps des masques, et du coup, plutôt le mettre un petit peu sous un mélange. Quand on fait sans, comment dire, quand il a du coup un masque qui lui ressemble à peu près, mais avec des traits différents. Comme par exemple, on va avoir, j'ai spoilé. Donc non, je vais rien dire. Mais quand on a par exemple plusieurs personnages, il y en a un qui va être anglais par exemple, un autre plutôt du coup, je donne des indices. J'essaie de faire comme je peux pour ne pas spoiler. Il va y avoir du coup par exemple cet anglais ou même moi au début quand je l'ai vu, je savais pas que c'était lui. Va y avoir aussi qui d'autre, bien évidemment le comte de Monte Cristo parce qu'on le reconnaît un peu, et d'un côté c'est aussi heureusement qu'ils ont fait ce côté maquillage pour qu'on le connaisse, parce que vu qu'il est quasiment pendant 2 heures en tant que Monte Cristo, ça aurait été dommage de pas trop le voir. Mais bon, et en parlant du coup de 2 heures, et bien en fait le film dure 3 heures. Ça, c'est du coup ce que je dis aussi, c'est que le film dure 3 heures, mais par contre, eh bien, en 3 heures, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Et ça, c'est plaisant, parce que 3 heures, quand même, faut les faire. Hein. Je me souviens, c'était avec Oppenheimer qui avait également duré 3 heures. Au bout d'un moment, je crois que c'était la dernière heure où ça commençait à être un petit peu... Non, pardon, non, moi c'était la première heure. C'était mon pote qui avait du mal avec la dernière heure. Mais je reconnais que moi, c'était la première heure qui avait été compliquée. Là, eh bien, pas de souci. Des 3 heures, ça s'enchaîne, mais à une vitesse. Après, c'est vrai que le scénario est un petit peu divisé en trois. En fait, on va avoir la première heure, qui va du coup être basé sur le passé, sur le comment que ça a commencé cette histoire de Monte Cristo, sur du coup la vie de Edmond Dantès, et qui du coup va finir en prison, etc., et va devenir le comte de Monte Cristo du coup une heure après. Et après du coup pour les 2 prochaines heures, on va voir la deuxième heure, ce qui va être le milieu où il va commencer à mettre ses pions en place, et la dernière heure où tout va s'effondrer sur les différents personnages. Et du coup, c'est la rythmique qui est plutôt bien faite, en tout cas pour faire tenir 3 heures.
Faut dire que du coup à la réalisation, ils ont quand même plutôt pas trop mal géré. Oui, c'est ça. Du coup, je vous propose une petite pause musicale parce que j'ai pas caché que je commence à avoir un peu chaud. J'allais boire un coup d'eau parce que déjà depuis hier, on a une chaleur qui est quand même assez phénoménale et comme vous le savez, la chaleur, moi j'ai un peu de mal. Du coup, je reviens, j'ai boire un petit coup d'eau. Mais avant tout, je vous laisse. Alors du coup, oui, avec la musique du film. Alors du coup, il y en a pas. Tant que ça, enfin, il y en a pas en tout cas pour pouvoir les passer du coup en termes de radio. Ça va être un peu plus du classique ou autre. Où je vous invite du coup à écouter l'émission de Jean Daniel qui rend lui excellent dans ce qu'il fait. Moi, je vais plutôt vous faire écouter un titre que j'ai découvert il y a 2 semaines du coup, qui est du coup de Larkin Poe, un super groupe de 2 femmes qui sont juste incroyables et qui ont d'ailleurs eu un Grammys pour le blues en début d'année. Alors je vous propose donc leur nouveauté Bluephoria de Larkin Poe. Nous on se retrouve tout juste après. One time, 2, 3, many amen. My fuse is burning pretty short, sweet Lord have mercy, I ain't getting bugged off again. You went and dug a little deep to the bottom of the bucket. Good luck, it's all gonna blow. Canary ain't singing no more. Been down before, up is all I got to go. Working for me no more. I said I'm deep in the indigo. I should vertigo on an edge I can't ignore. I grew all the way up, gonna grow myself down. Deep roots gonna sing a different tune. We are who we are. I may not be a star, but I know that I can shine like the moon.
Larkin Poe donc avec Blue Foria, leur dernière nouveauté que je vous laisse du coup apprécier. Je vais voir si je peux du coup si la rajouter sur votre radio préférée RVL bien évidemment. Voici. Allez donc nous on prend avec notre conte de Monte Cristo. Alors donc parce que je commençais un peu à parler scénario et autres. Et ça, du coup, je voulais plutôt en parler après, mon titre. Eh bien, alors, je reconnais que j'ai pas lu le livre de Dumas. Alors après, j'ai un petit peu regardé juste avant de venir un résumé du livre, parce que je tombais par hasard dessus. Et bien, du coup, après avoir vu le film et comment le scénario est agencé, sans connaître, comme je rappelle, le livre, eh bien, je suis curieux du coup de découvrir vraiment le livre, parce qu'en fait, l'adaptation a l'air d'être pas trop mal, et pourtant tout le monde le sait qu'adapter un livre en film c'est pas simple, c'en est même très 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 loin, disons qu'il n'y a pas spécialement d'incohérence qui me saute aux yeux, il n'y a pas spécialement de fausses notes, de faux pas, c'est plutôt correct, et ça passe tranquillement comme une lettre à la poste, donc je pense que du coup l'adaptation doit être quand même pas mal comparé au livre. Bien évidemment, le livre, je suppose, doit surpasser le film, parce que ça reste un livre, hein, bien évidemment, c'est là où on a tous les détails les plus croustillants. Mais en parlant de détails croustillants, c'est aussi les dialogues que je trouve qui sont soignés et travaillés. En fait, tout est parfait, on retrouve très, très aisément le dialecte aristocrate que je ne maîtrise absolument pas. c'est pour ça que j'ai aussi un peu apprécié ce moment ce moment qui est juste incroyable, parce que ces dialogues sont très bien travaillés, et puis je suis un petit peu jaloux de pas pouvoir parler, enfin de pas connaître ces dialogues là, enfin cette manière de parler, parce que j'en suis très curieux, même juste un jour à réécrire dans un livre ou autre, j'aimerais bien, mais bon, j'en suis extrêmement loin. Après, c'est parce que je suis très curieux, donc bon. Mais oui, du coup, les dialogues sont, franchement, sont quand même une belle pépite, même avec un peu de jeu de verbal de temps en temps. C'est très fort appréciable. Puis pour terminer sur mon dernier point, du coup, je vais revenir sur la musique. La musique qui, elle aussi, est très bonne. Surtout, oui, bien pour accentuer les scènes, on y retrouve bien évidemment que des compositions originales et aussi quelques musiques classiques. Quelques-unes qui sont parfaites, surtout pour subjuguer ces magnifiques paysages qu'on va retrouver. C'est vrai qu'il est aussi très beau, on a vraiment un grain de réalisation. On va voir énormément de paysages, et ça va être très travaillé aussi ces plans là et puis comme vous savez, j'adore l'image, donc ça fait un bon point en plus, hein. c'est ceci qui est bien travaillé. C'est ce que je veux dire du coup pour résumer tout ce film, c'est que en fait il est bien travaillé, il est après bien évidemment ça conviendra à chacun, et comme je le dis, je le répète toujours autant, bien évidemment allez voir le film pour vous faire votre propre critique, hein. Et puis comme d'habitude aussi, je remercie bien le cinéma Les Arts à Montivier qui du coup m'offre les places pour vous proposer les films que je visionne, et surtout que j'en fais la critique sur cette antenne, donc merci à eux. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir le film pour faire votre propre critique. Je vais y arriver. Donc du coup, oui, c'est ça. En fait, c'est que pour résumer, c'est que le film est parfaitement mis en œuvre. Je veux dire que ce soit en termes de scénario, de rythmique surtout, parce que ça dure 3 heures, donc faut, comme je le disais, faut les tenir les 3 heures. En termes de maquillage, de paysage, c'est parfaitement exécuté. Bien évidemment, comme tous les films, il y aura sûrement quelques petits points améliorés qu'on se rendra peut-être compte un peu plus tard. Mais en tout cas, quand on le voit juste déjà la première fois, ça nous saute pas mal aux yeux, et on est capable quand même de faire aussi de très bons films. Et ça fait plaisir. Nous, je vous propose, avant de poursuivre avec le film Moi Moche et Méchant 4, de s'écouter ensemble. Eh bien, Aretha Franklin, qui du coup est dans le film, si je ne dis pas de bêtises, Deadpool et Wolverine, si mes souvenirs sont bons, qui est du coup le titre You Are All I Need to Get By. Et puis après, on se retrouvera donc pour le film Moi, Moche et Méchant 4. Yeah.
love some R-E-S-P-C-T-O. It was plain to see that you were my destiny. With my arms open wide, I threw away my pride. I sacrificed for you, dedicate my life to you. I will go where you lead. I'll be right there in a time of need. And when I lose my will, I'll be right there. Aretha Franklin avec You're All I Need to Get By. Et nous, eh bien, on va poursuivre avec bien le film Moi, Moche et Méchant 4. Alors donc, bien que dire que dire donc sur ce film? Eh bien, déjà tout d'abord, qui participe? C'est vrai que ça pourrait être plutôt pas trop mal. Alors du coup, à la réalisation, on va retrouver Chris Renaud et Patrick Delage, avec au scénario Ken Dorio et Mike White. La musique, ce sera Heitor Pereira. Et puis, du coup, aux voix françaises principales, eh bien, on va retrouver Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Alex Lutz, Sylvia Berger et Pauline Brunner. Et donc, eh bien, juste avant de poursuivre sur cette critique, je vous laisse avec la bande-annonce. Et puis, on se retrouve d'ici quelques minutes. Salut la compagnie! Coucou! Attendez, trois filles, une épouse, il manque une chose, mais quoi? Ce jeune homme? Oh, il est là, mon tout petit! Je sais que tu l'aimes, ton papa. Dis-le, vas-y, papa. Papa. Bien sûr qu'il t'aime, c'est juste qu'à son âge, il ne le montre pas sur son visage. Il ne le montre pas dans ses gestes. Hein, gros junior, oh beau. Dénomination. J'ai à vous parler, gros. Votre famille est en danger. Quoi? Maxime le mal s'est évadé de prison. Je reviens me venger. On doit vous amener dans un endroit sûr. Il y a un distributeur. Je vais être trop bien ici.
voilà. Lucas. Le principal dans un cambriolage, c'est d'être conscient du danger potentiel. Ah, je me suis anesthésié. Un trésor. Ça fait les burritos. Merci, Luan. Fire in the bush. Et donc voici pour notre bande-annonce. Nous alors, que va-t-on résumer de ce film ? Eh bien, on va commencer par le plus évident, l'humour. Pour ce film d'animation, eh bien, qui reste quand même excellent, hein, qu'on soit grand ou petit, ça ne nous empêche pas de nous décrocher un sourire. C'est vrai que du coup, on reste très bon. On reste bien évidemment, nous, en tant que Français, très bon dans l'animation, puis même l'humour et toutes les références qui sont juste derrière. C'est pour ça que, bon... on s'ennuie pas pendant ces 2 heures de film, dans mes souvenirs. Bon, 1h50, on va en dire à 2 heures. Dans ces 2 heures de film, c'est vrai qu'on s'ennuie pas et qu'on soit petit ou grand. Par contre, à contrario, l'histoire est un peu rapide des fois. En fait, disons qu'on va voir un événement déclencheur. Et après, du coup, en attendant que cette trame en arrière-plan arrive jusqu'à la fin, on va voir deux histoires qui vont se scinder en deux. Une histoire plutôt qui va se scinder en deux, c'est peut-être plus correct. On va avoir deux histoires parallèles qui vont continuer leur chemin. Mais c'est pas même trois pardon, excusez-moi. Trois, mais c'est pas forcément la meilleure des idées à faire. Ça aurait peut-être été plus simple de rester sur la principale. Mais bon, par exemple ça en fait, il y a du coup une histoire avec Lucy, une histoire avec du coup les super mignons qui, en dehors de servir juste de sketch, ça sert pas trop à grand chose. Puis du coup on va voir bien la plus grosse histoire avec Gru, et après tout ça arrivera ensuite derrière pour le grand final. Et c'est ce que je dis, du coup l'histoire est un petit peu, vu qu'on a trois histoires qui se déroulent en même temps, ça fait une histoire un peu rapide. C'est un peu, ça aurait pu être mieux réalisé, mais bon, ça ce n'est que mon avis, bien évidemment. Pour l'animation, l'animation, comme je vous disais juste avant, quant à elle est toujours autant qualité française, hein, c'est-à-dire exceptionnelle. On est quand même mondialement réputé dans ce domaine et ce film ne fait que confirmer ce poste, que dis-je, même ce podium. Donc oui, franchement l'animation avec tous les petits détails derrière, que ça va être par exemple, comme je le dis juste avant, avec toutes les références culturelles et cinématographiques qu'on va retrouver par-ci et par-là, qu'on va aussi avoir du coup même juste les personnages en arrière-plan, qui font juste leur vie, comme je disais encore, ça fait partie de la vie du film, même si ces personnages-là ils sont juste en flou et ils ne servent juste à être des figurants, mais comme quoi les figurants, eh bien ça sert aussi, hein. Oui c'est ça. Et donc je crois que je vais pas avoir grand chose d'autre à dire sur ce film. Juste que, eh bien, qu'on continue avec le titre Everybody Want to Rule the World de Tears for Fears, qui du coup, le dernier titre à la fin, où du coup le Gru et comment ça s'appelle, Maxime, c'est ça, chante dessus en prison avec tout un petit sketch là-dessus. Je vous laisse, écouter ici donc ce titre.
Everybody Want to Rule the World de Tears for Fears. Et nous, eh bien, on va poursuivre bien avec déjà notre petit résumé. Donc, pour cette critique de Moi, Moche et Méchant 4. Alors, ben, qu'est-ce que j'ai à raconter dessus pour ce résumé? Eh bien, que c'est un, ça reste quand même un film d'animation très sympa à voir, hein, un film d'animation très familial, avec un humour fortement appréciable en compagnie. Non, là c'est pas ce que je voulais dire. Que ce soit du coup pour petits écrans plutôt, voilà. oui, c'est ça. Franchement, disons que c'est disons pour moi quand je l'ai vu, c'était un film plutôt sympa à voir. Qui, alors du coup plutôt, je trouve un film de divertissement, mais qui est bien un film de divertissement bien écrit. Et des fois, c'est quand même assez rare d'avoir des films de divertissement bien écrits. Plutôt du, généralement, du divertissement de série B, puis ça va être, voilà, on a fait un scénario à quoi, 100 euros, puis voilà, on n'en parle plus. Bien là, non, ça va, on est quand même sur quelque chose de quand même, d'un peu, beaucoup, ouais, vraiment beaucoup plus, j'adore cette expression. Vraiment beaucoup plus mieux. Voilà, c'est parfait. Alors, on cale tous les mots qu'on peut. Non, mais je veux dire, on est quand même sur une qualité autre. Et ça fait quand même plaisir, du coup, ce que je dis sur un film, sur un film qui, je considère quand même en divertissement. Mais quand même avec cette bonne morale qui arrive toujours à la fin quand même. Bah, d'un côté, c'est pas plus mal aussi dans les films, hein, d'en avoir une. D'ailleurs, même, c'est vrai que je repense du coup à Monte Cristo qui est un petit peu différent là-dessus sur cette morale-là. C'est vrai que du coup, ça finit de manière un peu plus triste, on va dire. Oui, on va dire ça. Je sais pas où se peut la fin, bien évidemment. Du coup, on finit quand même sur une fin un peu plus heureuse. Mais toujours avec cette morale quand même à la fin. Que je vous laisse bien évidemment découvrir. Je vous propose un deuxième titre issu de Moi, Moche et Méchant 4. Cette fois-ci directement le film, la musique de Pharrell Williams qui du coup pour le film Double Life. Et puis nous on se retrouve juste après pour terminer avec le film Deadpool et Wolverine. I know you heard the rumors. You must get over to it right away.
broken cause you spent all your time. It's now or never on this everything right. Before the spinning stops you must pick a side. Will you be tonight? That's the question. Will group be tonight? That's the question. C'était donc Double Life par Pharrell Williams. Et donc nous on termine avec notre dernier film. Deadpool et Wolverine. Qui allons-nous retrouver donc pour ce film? À la réalisation, ça va être Sean Levy. Au scénario, pas mal de monde. Rhett Reese, Paul Wernick, accompagné par Zeb Well, ainsi que Ryan Reynolds et Sean Levy. Voilà donc pour ce scénario qui récupère quand même 5 personnes, c'est quand même pas mal pour un scénario. À la musique, ça va être Rob Simonsen. Et puis aux acteurs principaux, eh bien, on va avoir aussi un peu de monde. Bien évidemment, Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool, Hugh Jackman qui endosse à nouveau son rôle de Wolverine. Après, on va avoir Emma Corrin qui va être dans le rôle de Nova. Voilà. Et puis, on va aussi avoir Matthew McFadden et Jennifer Garner. Voilà donc pour ce nombre de personnes qui est quand même pas mal. Mais surtout au scénario, c'est vrai que j'avoue que 5 personnes, ça fait quand même beaucoup. Et d'ailleurs, le scénario, on en parlera, mais ça, ce sera un petit peu juste après. Parce que, eh bien là, vient le moment de notre bande-annonce. Je vous dis donc avec la bande-annonce du film Deadpool et Wolverine. Puis nous, on reprendra ensemble tout juste après. Je te l'ai dit, on veut pas de toi ici. Et on veut de toi nulle part. Alors casse-toi de mon bar. Serre-moi un dernier verre et j'y vais. Salut mon poussin. Fais-moi plaisir et viens avec moi tout de suite. Désolé ma belle, je suis pas intéressé. Ok, tic-tac, je suis un peu pressé par le temps alors. Allez hop, on y va. Oh, t'as la griffe qui bande mou. C'est assez fréquent chez les Wolverines de plus de 40 ans. Fous-moi la paix. Si tu veux pas d'un deuxième trou du cul au milieu du front, t'as intérêt à me suivre. Je suis sur le point de perdre tout ce qui compte à mes yeux. J'en ai rien à foutre. C'est ça que t'as dit quand ton monde s'est retrouvé dans la merde ? Répète pour voir. Ce Wolverine a complètement laissé tomber son univers. Tu veux me parler de ce qui te tourmente ou tu préfères attendre la scène du flashback ? Ah, va te faire foutre. Je sais pas comment sauver le monde, mais toi, tu sais faire. Crois-moi, petit, je suis pas un héros. T'étais un X-Men. T'étais le X-Men. J'ai mouillé ma culotte. Qu'est-ce que c'est bête, un garçon? Mais c'est de ça que je parle! La super méga grosse scène au ralenti! Qui sait si on survivra ou pas? On va faire la bagarre! On va faire la bagarre! On se fait une petite ligne. Arrête ! La coke, c'est le seul truc que Disney nous a formellement interdit. Mais on peut parler de Blanche-Neige si tu préfères. Ils connaissent l'argot, ils sont briefés, il y a des listes. Je peux pas dire sucre en poudre. Dis les gars de la narine. Poussière de fée. Même le talc, on peut pas. Je voudrais un bonhomme de neige. Moi aussi ! Mais non ! Deadpool et Wolverine, donc Deadpool le troisième de la saga. Alors, que raconter dessus ? Eh bien que la direction artistique s'est lâchée.
Non, disons que c'est ils sont complètement lâchés sur tout, que ce soit sur le sang ou même sur l'humour, sur les blagues qui sans limite. Vous avez sûrement pu l'entendre pendant la bande annonce, mais ouais, ça fait étrange quand même, parce que savoir que du coup c'est ce que du coup Deadpool il s'en amuse pendant le film à rappeler que du coup Disney a racheté la Fox etc tous les droits, dont du coup les droits de Deadpool, qui du coup n'hésitent pas à tacler du coup leur propre maison de production. Ce qui est quand même très drôle, mais aussi ils sont quand même pas mal lâchés comparé à ce qu'on aurait pu s'attendre. Parce que du coup on connaît cette maison de production qui aime bien tout ce qui est un petit peu lisse, et ce qui au contraire Deadpool lui est plutôt rugueux, voire même carrément en dents de scie. Autant dire que ça aurait été autre chose de l'adapter du coup dans un autre format, on va dire ça. Donc bon, là l'avantage c'est qu'étrangement ils sont lâchés sur les encore plus que sur les deux autres, que ce soit du coup sur l'hémoglobine ou directement sur les blagues. Il y a même ils ont mixé le deux, c'est ce que je disais, la première scène dans la neige, qui quand on prend un peu de recul et quand on voit quoi il se bat, c'est complètement absurde, mais aussi quand même assez violent dans le sens gore. Et aussi par exemple dans l'autre scène, la scène de la voiture. D'ailleurs, ils sont amusés avec un délire sur les voitures pendant le film, à faire de la pub juste parce que Wade Wilson était concessionnaire dans son autre vie. Ils s'en amusent en fait à faire des blagues comme ça qui reviennent tout le temps, et ça suit une sorte de fil rouge sans que pour autant ce soit présent, mais de temps en temps ça fait un petit tacle comme ça. Et c'est un genre d'humour qui me parle, par exemple. Oui, donc du coup comme c'est une scène qui dure dans le film, actuellement, nous, on la voit dure pas longtemps, mais réellement, dans le scénario, elle dure longtemps. Mais bon, non c'est en termes d'humour, bien évidemment aussi, je rappelle que le film, du coup, est interdit au moins de 12 ans, pour le visionner. Voilà, donc. Je dis maintenant avant que j'oublie. Et ouais, donc, non, par contre, du coup, c'est ce que je dis sur l'humour, franchement. Ils se sont lâchés. Comme aussi un peu sur la musique, où on va retrouver beaucoup de musique de la culture pop, comme par exemple, comme vous entendez dans le générique, Madonna avec Like a Prayer, mais que malheureusement j'aurais pas le temps de passer. J'avais prévu de la passer, mais bon là, je vais pas avoir le temps malheureusement. Non, mais par contre, je vais avoir le temps pour un autre titre. C'est, vous avez entendu très certainement ce titre-là, The Power of Love avec Huey Lewis and the News. Et puis, on se retrouve tout juste après. One man weep, make another man sing.
The Power of Love par Huey Lewis and the News. Et nous, eh bien, on reprend après ce titre mondialement connu, surtout si vous avez vu, eh bien, Retour vers le futur. Une excellente saga d'ailleurs. D'ailleurs, c'est vrai que j'en faisais aussi une référence, mais c'était pas pour un bon point. Je vous ai comprendre après. Peut-être un jour, ça pourrait être sympa de faire une émission sur cette trilogie et l'univers qu'il y a eu. Oui, parce que à savoir qu'il y a eu un quatrième Retour vers le futur, mais c'est un petit peu compliqué parce que c'était pour un mince. Ah, j'ai oublié le terme. Dans les parcs d'attractions, voilà. C'était pour un roller coaster, je crois, un truc comme ça, ou une machine 4D. Du coup, ils en ont fait un spécial, un quatrième. Enfin, c'est un peu considéré comme le quatrième. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez de cette anecdote. Amusez-vous à ressortir en soirée. Du coup, après avoir sorti cette info-là, vous serez le roi ou la reine de la soirée. Vous inquiétez pas, c'est garanti. Allez, bref. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on poursuit sur cette critique, peut-être. Ça pourrait être pas mal parce qu'il nous reste encore plus que 6 petites minutes, voire 5 minutes. Eh bien, donc, ce que je disais, c'est que tout ce qui va être dans les sketchs, l'humour, un peu le sang aussi, en fait, il y a tout ça qui a été quand même poussé à fond. On n'est pas encore à la période où ça va casser le mur et ça va être trop. Mais par contre, en tout cas, l'humour Deadpool est toujours présent et même à son paroxysme. Donc, eh bien, si vous êtes évidemment un fan, du coup, je dirais bien évidemment plutôt des films parce que avec le comics, ça diffère. Eh bien, allez-y. Vous serez pas trop déçus, surtout qu'avec moi, j'avais un fan de Deadpool qui lui a plutôt bien aimé. Sauf un dernier truc, et là, ça va être mon quatrième point, la fin. Oui, quand je me racle la gorge, ça veut dire que ça sent pas très bon. À la fin, et par contre, elle est un peu bâclée, hein. Une fin, c'est ce qu'on s'est un peu dit à la patte Disney où tout finit bien, sans casse. C'est gentil, mais c'est, bref. Même on frôle un peu l'incohérence, mais pour certaines raisons, on n'a pas voulu faire ça. Enfin, là, je parle en nom d'eux. On a fait cette fin là puis on n'a pas voulu en fait que ça fasse de ceci, donc on a fait ça. Ok, d'accord, du coup on fait comme ça. En gros, c'est à peu près ce qu'ils se sont dit pendant la rédaction du scénario. Sur la fin, c'était là où tout commence à monter et que ça pète dans tous les sens, ou même que ça disparaît du coup, plutôt en l'occurrence, cette fin où tout revient quasiment à la normale, c'est pas où tout finit bien. On a un peu, avec mon pote qui lui du coup est fan, on était un peu déçus. C'est vrai qu'ils auraient pu faire une fin beaucoup plus trash, beaucoup plus forte, beaucoup plus marquante, mais ils l'ont pas faite. Par contre, là, s'il y a fait la fin qu'on pense, ça aurait été un carton plein, mais incroyable. Mais bon, le problème c'est que je peux pas révéler cette fin là qu'on avait en tête, parce que du coup, ça, vu que ça serait l'inverse de la fin actuelle, j'ai pas envie de vous spoiler, surtout que le film est sorti il y a quand même pas longtemps. Donc bon, c'est pour ça que je vous invite à aller voir, bien évidemment, surtout si vous êtes plutôt adepte de ce film, parce qu'il faut pas oublier qu'il est quand même Deadpool, c'est quand même spécial. Donc bon, et du coup notre petit dernier point, c'est vrai que du coup c'était aussi le scénario, scénario qui en lui-même est un peu complexe. Heureusement que Deadpool rappelle son but, parce que sinon on comprendrait pas grand chose. Disons que de toute façon, les histoires du multivers et autres, c'est toujours un peu compliqué, et c'est facile au paradoxe temporel. À la rigueur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le seul qui fait bien ça, c'est Retour vers le futur, où ça reste plutôt cohérent. Mais bon, quand à un moment on commence à parler de retour dans le temps ou de voyage temporel, bon, là, généralement, il y a toujours une alerte qui s'appelle « Attention, ça va être compliqué ». Attention, bon courage au scénariste, qui, lui, va sûrement finir avec une grosse dépression. Généralement, quand il y a un scénario avec du voyage dans le temps, c'est très, très compliqué. Mais bon. C'est ça. C'est que, du coup, en fait, tout ce principe du multivers, où, en fait, s'il fait quelque chose... J'essaie de me souvenir du scénario, en fait, là. S'il fait quelque chose... Parce qu'on lui propose un poste dans une dimension. Du coup, s'il accepte, toute sa dimension est morte. Du coup, ce qui est pas ouf pour ses amis. Du coup, il veut réparer ça en récupérant quelqu'un d'une autre dimension. Puis finalement, il se fait bannir dans un endroit. Voilà. Bon, on commence à sentir que ça commence à être très flou. Donc bon. Voilà, c'est ce que je dis, c'est que c'est quand même son défaut au film. C'est le côté où ça va être... un peu compliqué dans le sens de la logique.
en fait. Puis même, c'est un peu brouillon, blubigloubla, c'est compliqué. Donc bon, c'est pour ça que le scénar, c'est un peu tiré par les cheveux. Ils auraient pu faire une autre histoire, peut-être même encore avec Wolverine, mais ça aurait pu être une autre type d'histoire qui aurait sûrement été plus très sympa. Mais bon, c'est comme c'est actuellement. On va pas faire grand chose pour changer ça. Mais bon. Alors donc, que résumer pour ce film? Eh bien, quand même que l'humour reste lui très bon, malgré ce scénario qui est un peu compliqué, qui a un peu de mal quand même à faut reconnaître. Mais j'ai envie de dire, après, ça dépend pourquoi on va le voir. Si on va le voir pour le scénario ou pour l'humour, ou du coup pour le personnage en l'occurrence. Voilà, ça dépend de ce qu'on recherche et de ce qu'on attend dans ce film. Moi, j'attendais personnellement un Deadpool. Je l'ai eu. Mais avec Wolverine, je l'ai eu aussi. Donc, personnellement, ça va. D'ailleurs, c'est ce qui s'amuse à en faire Deadpool des références en brisant le quatrième mur et en savant ce que les fans voulaient. Donc, bon. Ça fait quelques petites blagues en plus. Mais bon, bien du coup, c'est ce qui termine notre émission ensemble. Alors donc, bien nous, il est 19h59 minutes. Nous, on se retrouvera donc bien à la fin du mois prochain, fin août. À voir après, vu que l'émission, je vais voir quand même pas mal de choses à gérer dans les mois qui vont venir, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc je vais voir. Peut-être qu'on va modifier un peu la trame de l'émission. Je verrai ça avec Cyril. Donc, vous inquiétez pas, vous serez au courant quand ça arrivera, bien évidemment. Donc si tout change pas, je vous dis du coup, on se donne rendez-vous en août, dernier mardi de août, qui sera le 27 août. Et puis nous, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée sur votre 103.1. Puis surtout, n'oubliez pas, parce que en ce moment le soleil tape quand même plutôt pas trop mal, donc surtout n'oubliez pas de vous hydrater parce que il fait chaud. J'ai bien senti aujourd'hui. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée. Puis eh bien nous, on se quitte. On se retrouvera le mois prochain. Et puis bon, bah, chose première, chose due, le jingle de l'heure, puis juste après, on va retrouver notre cher ami Oscar, qui, je vais demander, il a été d'accord, il veut bien nous mettre le Madonna avec Like a Prayer, et puis aussi, donc, merci DJ Oscar. Allez, on se quitte, c'est tout le monde, et prenez soin de vous, et rendez-vous au mois prochain.